la nouvelle offre avantage gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe du gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement active sur la période de 4 ans. Avec l'offre avantage gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Parlons d'électro avec Renault Pro Plus. Bon, à la fin de chantier est dans 10 jours. Il reste quoi à faire? Il faut couler la dalle, monter les murs, poser les planchers et faire les enduits. Ok, alors on se dépêche. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 199 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer taxe crédit bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous condition de reprise, réserve aux professionnels jusqu'au 30 septembre et acceptation par DTSA pour Renault.fr. Vous rêvez de faire construire votre maison? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Ma mère, j'ai une amie dont la mère commence à avoir des soucis de santé. Elle perd son autonomie et financièrement, c'est pas simple. Moi, je sais pas comment on va faire. Veux-tu en venir? Non, pas. Mais moi, ça peut pas m'arriver. Non? Ne faites pas, ma chérie. C'est souscrit une garantie dépendance chez Harmonie Mutuelle. Moi, tu penses à tout, maman. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie dépendance vous permet de ne pas être financièrement à la salle de vos pièces en cas de perte d'autonomie. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Baron de l'Estape. Ah, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah, pardon, choisissez-moi, Baron de l'Estape. Pas besoin d'hésiter, allez-y tout à trait. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estaque. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estaque, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Respirez midi 12h30 14h. Les auditeurs ont la parole. Juste le revoir. Vincent Parizeau. La télémédecine peut-elle voler au secours des patients qui vivent dans les zones désertifiées? On en débat avec Claude Lécher, président du syndicat des médecins généralistes MG France, et avec Denise, qui habite à Château-Salins, en Moselle. Bonjour Denise. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue. J'ai le sentiment que vous êtes assez inquiète. Non, pas du tout. Ah ouais. Non, parce que... Alors, dubitative. Dubitative, voilà. Moi, en fait, je suis atteinte de fibromyalgie. J'ai dans ma famille des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, d'asthme. Et en fait, ces maladies, ces pathologies sont lourdes puisqu'elles évoluent. Ouais. Et qui plus est, en fait, on peut être atteint à tout moment d'un nouveau symptôme. Et ces symptômes-là, eh ben, on a besoin d'en parler avec le médecin ou pour qu'il voit avec la palpation et agir au plus vite. Alors moi, la question que je pose, c'est comment peut-on faire et parler avec un robot et quel est le temps que l'on prend pour soigner ce type de pathologie? Alors, vous parlez quand même avec, vous parlez quand même avec un médecin, hein, même s'il est derrière un écran de nous. Hein, oui, mais il n'y a pas la palpation. Non. Là, il n'y a pas la si on montre un endroit où l'on a mal, comment peut-il savoir quel est le point exact? Puisqu'on parle de douleur projetée sur un endroit. On touche les limites du système, là, Claude Lécher. Oui, absolument, mais alors ça ne veut pas dire que le système n'a aucun intérêt non plus. Hein. Il faut simplement pas en faire un espèce de système magique. Et madame a parfaitement raison de dire que la palpation, le contact, voir les choses de près au travers d'une caméra, c'est pas tout à fait quand même la même chose, même si aujourd'hui on a des images de très bonne qualité. Oui, mais vous savez qu'en fibromyalgie, on ne voit rien du tout. Oui, absolument. Même le médecin face à vous ne le voit pas. Mais en même temps, par exemple, pour quelque chose de très simple,